Bonjour, je voudrais vous parler dans cette vidéo de l'hospitalité. L'hospitalité, ou l'accueil réciproque, est une vertu humaine fondamentale sans laquelle la vie ne serait pas possible. De surcroît, l'hospitalité est aussi un lieu où peut se proposer le message chrétien. Il n'y a pas en effet d'évangélisation, sinon dans un contexte d'hospitalité donnée et rendue entre les partenaires en présence. D'où le titre de cet exposé, L'hospitalité, espace d'humanisation, lieu d'évangélisation. Je diviserai mon propos en quatre points. D'abord, l'hospitalité au fondement de la société. Deuxièmement, l'hospitalité sous le regard de la foi chrétienne. Troisièmement, la sainteté hospitalière de Jésus et l'envoi en mission de ses disciples dans ce même esprit hospitalier. Enfin, quatrième point, l'hospitalité à vivre aujourd'hui comme chrétien dans le contexte qui est le nôtre. Premier point, l'hospitalité au fondement de la société. Pour entamer la réflexion, je dirais que le défi de la vie humaine consiste à passer de l'hostilité à l'hospitalité. Hostilité et hospitalité sont des termes sémantiquement opposés. Violence d'un côté, accueil réciproque de l'autre. Pourtant, ces deux mots, hostilité, hospitalité, opposés par leur sens, sont étymologiquement apparentés. Ils ont une même racine linguistique, le mot latin hostis. À l'origine, le mot latin hostis signifie l'étranger. Or, lorsque l'on se trouve devant un étranger, deux voies s'ouvrent, ou bien on s'en fait un ennemi et c'est la voie de l'hostilité, ou bien on s'en fait un ami, un hôte, et c'est la voie de l'hospitalité. Ce passage de l'hostilité à l'hospitalité, la sagesse arabe, par exemple, l'énonce dans cette petite parabole suivante. Quand je vois quelqu'un au loin, je me dis, c'est un ennemi. Quand il s'approche, je me dis, ah, voilà un semblable. Et quand il s'approche davantage encore, je m'écrie, tiens, voilà mon frère, ma sœur. Ainsi, l'hospitalité par opposition à l'hostilité est-elle un mode de relation qui désigne une sortie de la violence? L'hospitalité est en ce sens au fondement de la société. Elle consiste dans la rencontre pacifiée, pacifique, entre des personnes et des peuples pourtant au départ étrangers et divers. L'hospitalité est une vertu humaine fondamentale sans laquelle nous ne pourrions vivre. Il n'est pas étonnant dès lors que depuis tout temps, les philosophes et les moralistes l'aient pris pour thème. Platon, Aristote, Kant et plus proche de nous, Lévinas ou Derrida en ont dégagé les traits, les modalités et les exigences. L'hospitalité requiert une attitude de bienveillance fondamentale, inconditionnelle envers autrui. Mais en même temps, elle est conditionnée au sens où l'hospitalité a ses exigences. Elle requiert le maintien d'une bonne distance, d'une juste distance entre les partenaires. Il ne faudrait pas, en effet, qu'une hospitalité offerte donne lieu, par exemple, à des questions indiscrètes, à des comportements qui envahissent le champ de l'autre ou à un usage abusif de ses biens. Cette bonne distance n'éloigne pas les partenaires, elle ne les sépare pas. Elle permet au contraire une dynamique d'ouverture à l'altérité dans le respect mutuel. Par sa présence même, l'hôte que l'on reçoit décentre, déloge, il interpelle, il empêche de se satisfaire trop vite de son quant à soi et de ses propres convictions. En ce sens, l'hospitalité, aussi bien donnée que reçue, constitue pour l'ensemble des protagonistes un principe d'ouverture, de rencontre, d'échange et de métissage dans la liberté. Deuxième point, l'hospitalité sous le regard chrétien. L'hospitalité, comme je l'ai dit en commençant, est une vertu humaine fondamentale. Elle est une vertu que l'Évangile, en tant qu'il est une puissance d'humanisation, ne peut qu'avaliser
promouvoir et approfondir. Ainsi trouve-t-on dans l'Écriture un rappel du devoir d'hospitalité et un appel à la mettre en œuvre. Voici quelques passages des Écritures qui appellent explicitement à l'hospitalité. Soyez solidaires des saints dans le besoin, exercez l'hospitalité avec empressement. C'est dans la lettre de Paul aux Romains. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Première lettre de Pierre. Que l'amour fraternel demeure, dit l'Épître aux Hébreux, n'oubliez pas l'hospitalité, car grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. Cette phrase de l'Épître aux Hébreux fait allusion au récit que nous rapporte le livre de la Genèse au chapitre 18, dans lequel il nous est raconté qu'Abraham, lui-même émigré en terre étrangère, a accueilli trois étrangers. Ces trois étrangers, accueillis dans la tente d'Abraham, se révèlent être des anges, des envoyés de Dieu, porteurs d'une bonne nouvelle et de la promesse pour Abraham d'une descendance nombreuse. L'hospitalité, dans la tradition judéo-chrétienne, acquiert ainsi un sens théologique. Pratiquer l'hospitalité, c'est accueillir Dieu lui-même ou ses messagers. L'Évangile, notamment l'Évangile de Matthieu au chapitre 25, pousse jusqu'à l'extrême cette perspective. L'accueil de l'étranger, des pauvres, des malades, des prisonniers, est l'accueil du Christ lui-même qui s'identifie à eux dans une intime solidarité. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. La célèbre icône d'Andehir Ublof nous ouvre une autre perspective encore. Elle nous invite à penser la Trinité, la vie de Dieu en elle-même, comme une hospitalité réciproque entre les trois personnes divines. Cette icône d'Andrei Rublev a pour titre l'hospitalité d'Abraham, mais elle représente en fait non pas Abraham, mais les trois personnes divines dans leur communion. Cette icône figure le colloque divin, la vie de Dieu en elle-même, comme une hospitalité partagée. Ainsi donc, pour nous résumer, on peut dire que dans la tradition chrétienne, l'hospitalité est un terme clé pour penser les rapports des humains entre eux, pour penser les rapports entre Dieu et l'humanité, et pour penser la Trinité elle-même comme mystère de communion. Troisième point, la sainteté hospitalière de Jésus et l'envoi de ses disciples en mission. Pour continuer notre réflexion et l'approfondir, arrêtons-nous à la personne de Jésus-Christ. Visage humain de Dieu, Jésus accueille tous les hommes. Il les accueille et s'en laisse accueillir comme leur hôte. Le théologien Christophe Théobald analyse la posture de Jésus telle que la dessine le récit évangélique. Il voit dans la vie de Jésus la mise en œuvre de ce qu'il appelle une sainteté hospitalière. Cette sainteté hospitalière de Jésus réside dans sa capacité de présence à l'autre. Jésus, dans chaque rencontre, fait montre de la capacité de se dessaisir de lui-même et de se laisser toucher par autrui. Jésus n'a rien écrit. Cette absence d'écriture est l'expression de son absolue priorité accordée à la rencontre immédiate et à chaque fois ultime avec d'autres hommes. Jésus n'a pas fait œuvre d'écriture, mais il faisait de chaque rencontre un événement marquant qui laisse des traces dans la vie des sujets. C'est en cette qualité de présence à l'autre que consiste la sainteté hospitalière de Jésus, une qualité de présence qui éveille l'autre à lui-même, le met debout et le fait exister comme personne. Rien d'étonnant dès lors que la mission d'annoncer la bonne nouvelle que Jésus confie à ses disciples, les invite à cette même attitude hospitalière envers quiconque. Arrêtons-nous en particulier au passage de l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 10, où Jésus envoie ses disciples en mission. On trouve dans ce passage d'Évangile le paradigme même de la mission évangélique. Écoutons ce passage d'Évangile. Parmi les disciples, le Seigneur en désigna 72 et il les envoya deux par deux en avant de lui
en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit: Allez, ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord: Paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur: Le règne de Dieu s'est approché de vous. Remarquons d'abord que la mission est assumée de manière communautaire. Le texte parle de 72 disciples qui sont envoyés deux par deux, ce qui implique de fortes relations interpersonnelles. La mission n'est pas une conquête, elle est marquée par la douceur, la pauvreté des moyens et la vulnérabilité. Ce sont là des atouts pour une rencontre authentique des personnes. Telle est la condition des témoins, qu'ils avancent désarmés. Vulnérables, c'est leur force. La mission commence par un aller-vers et par un souhait de paix adressé à tous, sans exception, sans condition ni examen préalable. Paix à cette maison, paix à tous ceux et celles qui l'habitent. Le témoin de l'Évangile se risque ainsi à l'accueil chez les autres, quel qu'il soit. Il fait foi dans la capacité d'hospitalité de l'autre. Mais dire paix à cette maison, ce n'est pas encore la paix. Encore faut-il, pour que la paix s'établisse, que l'autre soit un ami de la paix et fasse sien ce vœu de paix. Alors, la paix advient, une alliance s'établit et des gestes concrets de partage suivent. Partager la table, boire et manger ensemble, échanger, donner, recevoir, rendre, bref, la convivialité. Ensuite, avec la convivialité, viennent les actions bienfaisantes, guérissez les malades. Les œuvres de bienfaisance touchent les esprits et les corps pour relever et faire vivre. Enfin, aux œuvres de bienfaisance vient se greffer encore une annonce. Dites, le règne de Dieu s'est approché de vous. Le royaume de Dieu est annoncé comme étant là, comme étant rendu présent dans la chair du monde. L'hospitalité, l'amitié, les œuvres de bienfaisance en sont le signe et le fruit. C'est dans ce contexte d'hospitalité vécue qu'est prononcée et entendue la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui s'est approché. Quatrième point, vivre aujourd'hui la mission hospitalière de Jésus. Que faire? Comment, pour notre part, dans le contexte culturel contemporain, entrer individuellement et communautairement à l'exemple de Jésus dans la sainteté hospitalière dont il a fait montre. Premièrement, comme chrétiens, nous avons à promouvoir dans la société, autant que nous le pouvons, une culture de l'hospitalité. L'enjeu est de sortir collectivement de la violence sous toutes ses formes et de passer à des relations pacifiées dans la différence. Comment définir une culture de l'hospitalité? Elle est une manière d'être sociale. Elle est un habitus socioculturel dans lequel ni l'unité ni les différences ne donnent prise à la domination. Il y a en effet des unités uniformisantes qui écrasent, je ne veux voir qu'une seule tête, et il y a des différences qui divisent en dominants et en dominés, en riches et en pauvres, en maîtres et en esclaves. Une culture de l'hospitalité, au contraire, accueille l'altérité en respectant les différences. Elle ne peut admettre le racisme, la xénophobie, le sexisme, le nationalisme, la loi du plus fort et la violence. Cette culture hospitalière n'est jamais acquise une fois pour toutes. Elle n'est pas donnée d'avance. Elle s'apprend. Elle suppose une éducation qui passe par les familles, l'école, la presse, les médias, les réseaux sociaux. Elle suppose des programmes et des choix politiques. Elle suppose des recherches, des stratégies et des moyens conjoints pour la promouvoir. Les chrétiens et les communautés chrétiennes sont appelés à s'engager de tout leur cœur au nom de l'Évangile dans ce combat, car c'en est un, avec tous les hommes et les femmes de bonne volonté.
Ensuite, ce que l'on peut attendre des communautés chrétiennes d'aujourd'hui, c'est leur conversion missionnaire. C'est passer d'une église centrée sur elle-même, enfermée dans le souci de préserver ses habitudes, rites et traditions, à une église en sortie, pour reprendre les mots du pape François. Dans nos communautés chrétiennes, nous disons souvent qu'il faut se montrer accueillant. Alors, nous organisons des structures d'accueil, nous ouvrons nos portes en espérant que d'autres viendront chercher chez nous ce qu'ils n'ont pas chez eux. Mais organiser ainsi l'accueil, n'est-ce pas subrepticement prendre une position de supériorité et mettre l'autre en position d'infériorité, en position de celui qui manque et qui reçoit? Conformément à l'Évangile, ne faudrait-il pas inverser la logique, non point tellement chercher à accueillir l'autre qu'à se laisser accueillir chez lui en se portant vers lui et en faisant foi en ses propres capacités d'hospitalité, en ses propres ressources et forces vives. L'Évangile ne nous dit pas soyez accueillants, mais plutôt soyez accueillis. Risquez-vous à l'accueil dans le lieu de l'autre. Zachée, dit Jésus, il me faut demeurer aujourd'hui dans ta maison. Ainsi l'Évangile nous invite-t-il à nous porter vers tout autre, sans a priori ni préjugés, et particulièrement vers ceux et celles qui semblent les plus éloignés des canons éthiques et religieux. En nous risquant ainsi chez eux, nous serons souvent étonnés de leur capacité d'entendre la bonne nouvelle. Ce fut d'ailleurs l'expérience de Jésus lui-même. Jamais je n'ai vu une telle foi en Israël, dit Jésus s'agissant du centurion romain. Lui aussi est un fils d'Abraham, dit Jésus s'agissant de Zachée. Les prostituées et les pécheurs vous précèdent dans le royaume de Dieu, dit Jésus aux grands prêtres et aux anciens du peuple. En définitive, comme chrétiens, nous sommes ainsi appelés à l'exemple de Jésus à exceller dans le domaine de la rencontre de l'autre. Dans le terme excellence, il ne faut pas entendre une quelconque volonté d'élitisme, mais plutôt le souci de la qualité de la rencontre avec tout autre, quel qu'il soit. Nous sommes entourés aujourd'hui de non-croyants, d'indifférents, de chrétiens ou d'adeptes d'autres religions ou spiritualités. Mais tous et toutes, en quelque sorte, peu ou prou, sont, comme nous-mêmes d'ailleurs, des chercheurs en itinérance, en chemin. Comme Jésus sur la route d'Emmaüs, nous avons à les rejoindre en chemin et à entrer en conversation avec eux. De quoi parliez-vous donc en chemin? Comme le dit le théologien tchèque Thomas Halik, beaucoup de ceux qui sont éloignés de la foi chrétienne sont des chercheurs. Ils font partie de la grande famille des chercheurs qui représentent très probablement la majorité des Européens. L'avenir de l'Église, poursuit-il, dépend de sa capacité à communiquer avec les chercheurs. C'est dans cette même ligne que le pape François encourage fortement les chrétiens à s'allier et à collaborer avec tous ces chercheurs et chercheuses d'humanité en quête de vrai, de bien et de beau. Je vous recommande de manière particulière, dit-il, la capacité de dialogue et de rencontre. Dialoguer, c'est rechercher le bien commun pour tous. Puissions-nous tous et toutes avancer sur ce chemin de la rencontre et là témoigner d'un Dieu hospitalier dont, qui que nous soyons, bons ou mauvais, ouvriers de la première ou de la dernière heure, nous avons l'assurance d'en être accueillis sans condition, sans le mériter, gracieusement, sans devoir payer. Merci pour votre écoute et bonne fin de journée.